C'est la première fois qu'on va se voir. Ça me fait plaisir parce que c'est un rappeur que j'aime bien aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc c'est vraiment, vraiment cool et c'est toujours du plus pour moi. Depuis que j'ai 14 ans, j'ai commencé. Après que je me produis vraiment en club et que je peux dire que je suis autre que footballeur, ça fait 5-6 ans maintenant. Donc ouais, c'est une nouvelle aventure qui commence et je me régale vraiment. Ben, la musique, ça a toujours été une passion et pour moi, un sportif de haut niveau a toujours une certaine, en tout cas ceux que je connais, on a toujours une sensibilité et une relation spéciale avec la musique au niveau de la concentration, de se mettre dans une bulle et d'écouter des paroles, des chansons avec des paroles qui nous motivent et qui peuvent nous mettre dans des états de motivation pour nous préparer au match ou à la compétition pour les autres athlètes. Pour moi, j'avais pas d'autres façons de me préparer que d'être avec mon casque, ma musique et me préparer comme ça en trouvant les musiques ou les genres musicaux qui me boostent et qui me font me préparer gentiment pour rentrer dans le match. Plus jeune, quand je jouais encore et notamment dans les débuts, j'écoutais plus de l'électro, de la musique un peu plus rapide pour me monter un peu le cardio et être prêt pour le match. J'écoute beaucoup de genres de musique, ça passe par le hip-hop bien sûr, ça passe par le hip-hop français ou américain ou même anglais. J'écoute beaucoup d'afro, beaucoup de house music. Le plus important déjà, c'est que les gens repartent contents et amusés et étonnés aussi. J'aime bien jouer sur ce côté-là parce que les gens viennent plus par curiosité, je pense, au départ. Mm-hmm. Un ancien footballeur qui est DJ aujourd'hui, c'est pas commun. J'ai eu la chance de faire l'after party de DJ Snake, j'ai eu la chance de mixer avec Diplo, j'ai eu la chance de faire la première partie de Maria Carré. Et ouais, j'aime bien qu'ils viennent découvrir et qu'ils repartent contents et en se disant oui, forcément, finalement, il sait ce qu'il fait. C'est la vraie idée. En général, ça s'amuse. En général, j'aime bien l'interaction aussi avec les gens, les faire participer un minimum, de souvent les faire monter sur scène, danser. J'aime bien ça. J'espère que j'aurai la chance d'avoir mon MC avec moi parce qu'il il est pas mal et il sait mettre l'ambiance. Et voilà, bien préparer la scène pour M. Damso et que ce soit une belle soirée.